Salut à toutes et à tous, les amis. C'est Franky. Je vous retrouve pour une petite vidéo super rapide. Et aujourd'hui, on va parler évidemment une fois des pas coutumes de tout ce qui est figurines, goodies, etc. Et vous savez que je suis un grand, grand fan d'Iron Man. Ça, je vous le dis. Vous voyez régulièrement des vidéos de figurines apparaître sur la chaîne. Euh, mais comme je l'avais présenté il y a quasiment six mois de ça, je suis également un grand, grand fan de Lego. Euh, Lego, toute enfance de la plupart d'entre nous. Hein, donc voilà. Et il existe, pour ceux qui ne connaissent pas, des versions Lego. Alors certains vont dire que c'est du piratage, certains vont dire que c'est de la copie, etc. Ce n'est pas tout à fait de la copie, puisqu'il existe certaines versions de, de Lego qui s'appellent les micro-blocks ou les nano ça dépend de quel point de vue on se place, qui sont beaucoup plus petits que des Lego. Je vous montre rapidement une plaque de Lego, donc vous voyez, une plaque de 6 par 2, donc ça fait 12 12 blocs, 12 plots, hein, voilà, 12 plots, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 plots là-dessus, et je vais vous montrer l'équivalent en nano-blocks, qui est là, en micro blocs c'est globalement la même chose, 6 x euh, 2, 12, 2 x 6, 12, pardon, et donc nous avons euh, un bloc. Voilà, je le mets côte à côte. Regardez, c'est juste globalement deux fois plus petit, deux fois plus petit, voire même encore plus étroit. Euh, une petite vidéo, je vous mets une petite capture d'écran à côté de moi juste pour vous montrer un comparatif avec une pièce d'euro un pour vous montrer à quel point c'est tout tout petit. Et les microblocks ont la particularité déjà euh, d'être euh, compliqué à monter, <laughs> d'être compliqué à monter parce que ça vous ruine les yeux. Euh, personnellement, ça m'a explosé les yeux parce que franchement les microblocks c'est compliqué, c'est tout petit. Euh, je vais vous mettre une petite séquence là en accéléré de pendant que je parle du, du séquence de montage de ce que je vais vous montrer dans quelques instants infernal infernal à monter alors pas infernal dans le sens c'est dur c'est désagréable etc c'est juste qu'il faut être très 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 minutieux les pièces sont toutes petites donc donc dès que vous retrouvez un sachet avec euh, 50 60 100 pièces à l'intérieur c'est tout tout petit donc euh, moi qui ai des problèmes de, de vue vous le voyez à mes lunettes euh, c'est compliqué de voir de près bref tout ça pour dire que je suis un grand grand fan d'Ironman de euh, Lego en général ou de briques d'assemblage voilà on va dire de briques d'assemblage et je suis également donc l'heureux propriétaire, si je puis dire, de ceci. J'ai fait l'acquisition de ça. Alors je vous montre rapidement. Il s'agit d'un Iron Man en euh, microblocks. Euh, et évidemment, si jamais je vous montre ça, c'est pas très intéressant. Je vais vous le montrer fini parce que je l'ai fait. Regardez comme il est beau, mon petit Iron Man. Voilà. Je vous le montre rapidement là. Voilà. Hop, je vous le mets dans le cadre. Il est absolument magnifique. Je vais vous faire quelques petites vues en fin de vidéo. Je vous les montrerai. Hop, je me le mets de côté pour pas qu'il tombe. Je vous montrerai quelques petites vues de côté. L'objectif, évidemment. Je... Alors, je vous le dis, je l'ai acheté sur AliExpress. Donc à un prix défiant toute concurrence, 15 euros et des bananes. Je vous ferai une petite capture d'écran. Je vous mettrai également le lien dans le descriptif de la vidéo. J'espère qu'au moment où vous le verrez et si vous êtes intéressé, vous le trouverez toujours à ce prix-là. C'est véritablement pas gagné. Mais pour le reste, pour vous donner une idée de la de la quantité, donc on est sur une personne, une figurine. Hop, je la reprends hein, malgré tout. Euh, elle fait. yeah Grosso modo la hauteur, une hauteur de 30 cm. Franchement, c'est super bien. Alors l'avantage des microblocks par rapport aux Lego normaux, c'est que dans un encombrement plutôt petit, parce qu'on est sur 30 cm, je me mets ma main à côté. Voilà, on est hop là, je mets dans le cadre. On est globalement, je vais essayer de mettre dans le cadre. Voilà, c'est mieux. On est sur 30 cm. Et sur 30 cm, on arrive à avoir quelque chose d'assez détaillé, assez précis. Je vous montre, je me rapproche un peu de la caméra. Voilà. Donc c'est assez détaillé, assez précis. Et 30 cm c'est tellement euh, compact. Par contre. Je vous le dis de suite, ça, là-dedans, il y a un peu plus de 2000 pièces. Un peu plus de 2000 pièces et euh, globalement, ça m'a pris 9 heures. 9 heures pour le faire. Alors pourquoi autant de temps ben, Déjà pour la bonne impression que vous retrouvez avec une bonne quinzaine de sachets. Dans ces sachets, vous avez tout un tas de petites pièces. Donc il faut faire le tri dedans. C'est très très long. Et je vous montre euh, les phases d'assemblage. Euh, je vais vous prendre la première page, par exemple. Euh, si vous avez des yeux en bois, euh, je pense que c'est pas fait pour vous malheureusement. Hop, on va se mettre sur la première, la première page. Voilà. Hop, hop, j'essaie de faire un gros plan, mais bon, c'est pas super évident. Mais voilà, vous voyez toutes les pièces comme elles sont assemblées. Donc, ça, ce que vous voyez là, là, là où il y a mon doigt, ce n'est pas un plateau, c'est composé d'une quarantaine de pièces. Vous voyez le chiffre à côté, c'est composé d'une quarantaine de pièces. Donc, évidemment, il faut retrouver les bonnes petites pièces, etc. C'est super chaud, mais c'est tellement satisfaisant une fois que c'est terminé, c'est tellement plaisant une fois que c'est terminé, et franchement. C'est super beau, c'est super beau. Euh, J'ai pas grand chose à dire sur la qualité. Je suis très très agréablement surpris. Euh, je vous prépare un deuxième personnage dans peu de temps. Euh, je vous le présenterai très certainement d'ici une petite quinzaine de jours. Euh, il faut que je le monte. <laughs> Donc voilà. Mais encore une fois, si vous êtes intéressé par tout ce qui est briques d'assemblage, si vous êtes fan de... Tout ce qui est euh, Iron Man ou Marvel, etc. Évidemment, je pense que ça ne peut que vous plaire. Et comme je vous l'ai dit précédemment, on a 2000 pièces dans un encombrement extrêmement petit. 30 cm, c'est pas très grand. Vous pouvez le mettre sur une petite étagère, sur une petite vitrine. Ça passe extrêmement bien. Voilà, évidemment, ce n'est pas une pub. C'est juste pour vous dire si vous êtes. Un petit peu patient, si vous aimez bien les petits les petits trucs où il faut vraiment de la patience, un peu de minutie, etc. Ben je pense que ça peut vous plaire. Moi ça m'a fait énormément plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je mets ça en fond sonore avec une petite musique ou quoi derrière. Et tranquillement, je me fais des petites séances d'une petite demi-heure, trois quarts d'heure par ci par là. Et c'était très agréable. Ça détend. Ça détend. Franchement, par les temps qui courent, ça détend. Je vous le cache pas. Donc évidemment, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Encore une fois, je gagne rien là-dessus, c'est pas sponsorisé, c'est rien du tout. C'est juste euh, voilà, des petits des petits trucs qui me plaisent et j'aime bien vous faire partager mes passions. Et mes plaisirs. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi sur cette petite vidéo. N'hésitez pas donc à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus si celle-ci vous a plu. Et je vous laisse avec les petites, euh, la petite vidéo de présentation rapidement avec euh, qui tourne sur lui-même. Et quelques petites euh, présentations rapides avec quelques petites photos de ce petit Iron Man. Et vous me direz évidemment ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. On se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure. Salut à tous.